Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce flash d'information de la mi-journée en Auvergne-Rhône-Alpes, dimanche 20 juin. Alors, dans l'actualité également, il y a eu visiblement un problème. L'auberge du Pont dévastée par un incendie. Le célèbre restaurant, lieu incontournable de la gastronomie du Puy-de-Dôme, a été en proie aux flammes en fin d'après-midi hier. Le feu serait parti à l'arrière de l'établissement où se trouvent les cuisines. Les dégâts sont importants. Il n'y a pas eu de blessés, mais plusieurs familles doivent être relogées. Je vous propose d'écouter le maire de la commune. Rodolphe Regnault avait fait également énormément de travaux avant l'étoile. Il y avait pour plus de 600 000 euros de travaux pour rénover toute sa cuisine, toute sa salle de restauration, tout ça est détruit. Bon, je sais que c'est un battant, mais quand même, ça doit. Enfin, son épouse était très très marquée hier et je crois que c'est effectivement pour la ville de Pont-du-Château, c'est pas. Ben, un incendie, c'est jamais une bonne image, puis c'est dommage surtout en termes de renommée pour quelqu'un qui venait d'avoir une étoile.